tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour un mini haul la fourmi créative. Parce que quand je vous avais dit dans une vidéo précédente, quand j'étais chez Séverine, elle m'a fait découvrir ça, la Stazone. Attendez, je vais mettre de côté. Donc c'est pour faire sur l'acétate. Ou le papier calque. Est-ce que il y a écrit non mise en garde conçu spécialement pour le plastique, le métal, le verre aussi, la céramique, le papier laminé, le papier couché et le cuir. Et donc faut pas en mettre sur le tissu. Ouais. Donc du coup elle l'a en blanc. Et moi, du coup, je l'ai pris en noir. Et j'aime bien aussi en blanc, donc je pense que je vais craquer aussi pour le blanc. Et du coup, j'ai pris la recharge qui va avec. Mais il n'y avait pas le... Parce que pour cette encre, il faut le nettoyeur pour tampon. Sinon, ça tache. Donc, je vais prendre l'encreur. Le nettoyeur après. Il ne l'avait pas sur la fourmi. Donc du coup, ben voilà, j'ai pris ça. Et je me suis pris un petit tampon texte de Florilège Design. Et en fait, il est moucheté. Tacheté. Voilà, donc du coup, on ne voit pas vraiment les phrases. Mais je voulais un petit tampon en français. Je voudrais bien le tester sur... J'essaye de faire des... Je me suis mis... ouais, comment on appelle ça? Au journaling, au collage. Donc du coup, ben voilà, il me fallait un petit tampon comme ça. Et j'ai acheté... Chaque fois que je regardais sur Craftelier, mais il n'y en avait pas. Les plaques pour ma Big Shot Plus. Parce que elle est déjà un peu fendue. Big Shot compatible avec... Ah oui, la Big Shot Pro aussi. Ah ouais, il y a la Pro aussi. Ouais, bon, bah, je vais m'arrêter à la Big Shot Plus. Hein. Mais franchement, je ne regarde pas d'avoir acheté ma Big Shot. Bon, après, je l'ai acheté d'occasion hein, sur Vinted. Mais bon, déjà, elle est belle. Mais franchement, c'est plus pratique. Donc voilà. Et j'ai reçu ça rapidement. Comme d'hab. Donc merci la fourmi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez que je vous teste l'encre, bah vous me direz en commentaire. Bon, de toute façon, je poste cette vidéo, je sais pas quand, mais je serai sûrement... Bon, je suis en vacances, donc je ferai des tests sûrement à la rentrée. Hein. Là, j'aurai pas le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.